Bonsoir, c'est Nati, mes chéris, mes cancers, comment allez-vous? On va voir immédiatement ce que j'ai pour vous. Alors, je tenais à vous souhaiter un très bon réveillon, mes amours, et joyeux Noël, puisque vous allez entendre certains de vous demain cette vidéo. Et pour les personnes, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui se retrouvent seules. Écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et de très belles énergies. Mes chéris, sachez que vous n'êtes pas seuls. Je pense à vous. Le cœur y est, mes amours. Alors, voyons voir. Travail, entreprise. Alors, soit vous faites un travail sur vous-même, donc un travail d'introspection en profondeur, développement personnel pour que vous avanciez, pour certainement changer certaines choses comme certains comportements qui doivent être changés, vous connaissez mieux que quiconque. Et puis c'est le travail aussi, peut-être, c'est possible que ça soit le travail. Alors soit vous voulez vous lancer à votre propre compte ou vous êtes sur votre propre compte, ou peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez, mes chéris. Ou sinon, c'est possible aussi qu'on change de travail. Hein. Il y a une histoire comme ça, il y a une destinée là, ici. Hein. On change de voie, mes amis. Hein. Après, je vous dirais un petit peu que vie antérieure, ouais, c'est une destinée, hein, c'est ça. On va voir. Il y en a qui changent de voie. Et en fait, cette voie, ce plan de vie, il est prévu pour vous. On vous dit quoi? On vous dit livrer le fond de votre pensée avec confiance, demander à un professionnel de vous conseiller, de vous guider, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, on est déséquilibré au niveau peut-être du matériel, on est peut-être un peu trop matérialiste et pas assez en amour. Ça, c'est possible qu'on s'est... C'est possible que finalement, on s'est reclus un peu dans le professionnel pour oublier le passé, hein, par rapport au sentimental, ça c'est possible. Ou alors vous étiez comme ça, et là il y a une rencontre qui va se faire, puisque je vous parle encore une fois de destinée. Ça me parle aussi d'un déséquilibre aussi, hein, à l'intérieur de vous. Donc on va retrouver sa confiance ici, hein, c'est bien. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à accueillir l'amour et que là, vous êtes prêt. Voilà, et prête. On vous dit aussi, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous 3 fois. Communiquez votre vision. On vous demande ce que vous voulez, hein. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Ben non, mais vous reprenez confiance et vous allez faire jaillir votre leadership, mes chéris, hein. C'est bien. Ça peut me parler d'être à son compte, ou alors ça peut me parler aussi également d'un travail où vous êtes chef d'équipe, chef, ou alors responsable. Vous voyez, il peut y avoir une proposition ici, même une mutation. Hein. On peut aussi vous féliciter par rapport au travail que vous avez effectué tout ce temps. Donc une reconnaissance, ça c'est possible. Une prime, mais une promotion aussi et un changement de voie. Regardez, j'ai le 10 de Pentacle. C'est pas rien ça, le 10 de Pentacle. Donc c'est l'abondance financière matérielle. Voilà, ça récolte en fait. Vous avez une victoire, une réussite. On démarre quelque chose de nouveau. C'est pour ça aussi qu'on se sent hyper confiant, confiante. Vous avez raison. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a d'autres, c'est peut-être que vous êtes associé ou en partenariat, ça c'est possible. Ou alors vous avez une équipe à gérer. Ou alors c'est possible aussi que ça soit, vous voyez, tout ce qui est bénévolat. Tout ce qui est vous donner de votre temps, de l'amour aux autres, hein, partage et tout ça. Et sinon, vous êtes aidé. Pour d'autres, il y a l'apprentissage avec ce 3 de Pentacle, on apprend quelque chose. Hein, donc, il y a quelqu'un qui vous apprend pour la maîtrise, vous voyez. Donc, ça peut être aussi une formation ou un stage ou un apprentissage ici. Hein, et je l'ai ici, d'ailleurs, qui ressort avec la papesse. Pour d'autres, il y a des choses qui sont cachées. On va voir. Vous avez vu, on travaille beaucoup pour la récolte.
Vous avez un plan, hein. Vous avez un objectif là et vous allez l'atteindre, hein, mes chéris. Donc vous lâchez rien. Et vous ne vous trompez pas de voie, vous êtes sur la bonne voie. Ce qu'il y a, c'est peut-être qu'il faut de la patience et voilà, c'est pas si évident que ça. Il y a une rentrée d'argent. Mais vous avez été agacé par quelque chose ou triste ou anxieux ou anxieuse, hein, ça c'est possible. Après, c'est possible qu'il y ait un travail où vous travaillez trop, vous n'en pouvez plus. Et vous vous dites, en plus, je ne suis pas assez payée, rémunérée. Donc, il est temps pour moi de partir, en fait. Hein, et je dois faire ce choix. Hein, on l'a ici. Hein. Ouais, vous partez aussi d'une situation instable. Et on a la carte dorée. Mais c'est génial. Il y avait des ralentissements, fin au ralentissement, fin au retard. Et vous avez la renaissance et... La renaissance, mes chéris, fin de cycle, début de cycle. Et on quitte quelque chose de douloureux, de difficile, pénible. Hein, mes chéris, vous allez vers l'épanouissement, c'est bien ça. Et sinon, la carte gold, je vous disais là tout à l'heure, bah, en fait, c'est méga chance, hein. Protection. Et de toute façon, ça annule toutes les mauvaises cartes. Hein. Tout ce qui... S'il y avait des choses... Mauvaise, ça y est, vous allez avancer. Hein. S'il y avait des blocages, on se débloque. S'il y avait une mauvaise période négative, bah, c'est terminé. Hein. On va vers du positif, mes chéris. Par contre, il y en a qui doivent faire le choix. Un choix, une décision à prendre. Bon, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose qui vous crée de l'instabilité. Hein. Peut-être par rapport aux enfants, certains de vous, ou alors on a du mal à tomber enceinte, ça c'est possible. Après, il peut y avoir par rapport aux enfants une instabilité ou on s'inquiète pour un enfant, mes chéris, c'est possible. Il y en a qui partent, il y a des déplacements, il y a des déménagements ici hein, prévus, hein, et ça sera la joie, la plénitude. Donc ici, il y a une réussite, double réussite. Il y en a qui vont faire appel à mes services. Donc vous allez prendre rendez-vous pour que je vous guide et que je vous donne les réponses et tout ça. Et il y en a d'autres, vous avez des dons, hein, mes chéris. Bon, bah c'est bien, vous démarrez quelque chose de nouveau. Grossesse-naissance. Ensuite, ça va s'éclaircir là. Hein. La chance, elle revient, hein, mes chéris, hein, c'est bien. Vous allez démarrer un nouveau emploi ou vous avez démarré un nouveau emploi. Peut-être de la maison aussi, hein, du domicile, du foyer hein, de vie. Et d'autres, on vous parle, bah, ça peut être, vous savez, bien immobilier, achat, vente de biens immobiliers, location. Ça se trouve, vous avez pris une location pour cet hiver, là, Noël. C'est possible aussi. D'autres, vous vous enfermez. Hein, vous vous enfermez. Hein. Et il y a l'amour, mes chéris. Alors, l'amour, déjà l'amour pour vous-même, le respect, l'amour, ça peut être aussi un travail d'amour. On aime ce travail nous aime. Ça peut être, et on le fait par passion, par amour, de tout notre cœur. Et ça peut être aussi bah, la rencontre amoureuse. Mais là, il y a une mariée, donc ça peut me parler de fiançailles, de pax, de mariage, vie commune. Hein. On va voir de suite. Réfléchissez bien par rapport à ce choix, mes chéris, que vous avez à faire. C'est vrai que vous vous sentez déstabilisé. Hein. Ce n'est pas évident pour vous de... Vous êtes perdu. Vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. Alors, ici, j'ai la tendresse, mes chéris. Quoi d'autre? Non, ça va. Je croyais qu'elle allait partir de l'autre côté, mais ça va. Alors, comment on s'est senti seul? Bah, soit vous vous êtes réconcilié, soit vous pensez à cette réconciliation. Hein. Mais on vous dit prudence, hein, parce que votre cœur, vous l'avez assez donné d'un coup et trop. Et du coup, en fait, bah, attention quoi. Après, pour d'autres, vous avez la réconciliation, sexualité, sensualité, l'espoir d'un engagement. Et pour certains ici, vous c'est terminé le célibat, vous rencontrez quelqu'un, hein, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Ouais, vous avez la rencontre. Le petit poussin, bah, c'est la relation, c'est vous deux, il va falloir faire grandir cette relation. Vous avez la rencontre, hein, mes chéris.
je vous le disais. Certains de vous, on vous dit d'oublier une personne qui vous est toxique, hein, d'accord. Ça peut parler de divorce ici. On s'est illusionné. On pensait que la personne, on s'est dit on va lui donner une dernière chance. On s'est illusionné. Ben voilà, on se prend la tête aujourd'hui. On se culpabilise. Parce que cette personne, bah, en fait, elle ne change pas et en plus, elle vous fait souffrir. Et en plus cette personne, depuis que vous êtes avec, vous êtes dans l'échec. Ça me parle bel et bien d'engagement, d'union ici, de promesses, de cadeaux, de promesses, d'équilibre et de rupture. Alors... Pour certains, ça continue, je vous ai dit, il y a... Alors, certains, c'est la rencontre, ça, c'est très bien. Et d'autres, vous allez vous unir. En tout cas, vous allez parler de ça. Il y a quelqu'un, vous voyez bien qu'en fait, les promesses ne vont pas être tenues puisqu'il y a la rupture, il y a une fracture entre vous. Alors, je pense que vous êtes déjà réconciliés. Et ensuite, il y a eu la rupture. Et peut-être que là, vous pensez à nouveau de vous réconcilier ou... Cette personne, en plus, on s'est illusionné parce qu'on pensait qu'avec cette personne, on vivrait davantage de choses, en tout cas plus officielles. Mais cette personne, elle ne veut pas s'engager avec vous et vous illusionnez. Hein. Vous êtes dans la souffrance, dans la douleur, mes chéris. Il faut parler, il faut dire ce qu'il y a sur votre cœur, mais surtout que cette personne, elle vous réponde. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et cette personne, elle vous ment pour vous tenir, vous maintenir. Il y a une emprise sur vous, hein, c'est clair. Hein. Mais cette personne, en fait, au niveau de l'engagement, l'équilibre, il est touché parce que cette personne, en fait, elle ne veut pas aller plus loin. La personne, elle est partie. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et ici, j'ai quoi? J'ai... ouais. Mais vous l'aimez, hein, cette personne, c'est fort. Malgré que tout ce qu'elle vous a fait, cette personne, bah, vous l'aimez quand même. C'est ça, hein, c'est dingue. Hein. L'amour, ça peut faire du bien, ça peut faire du mal, mais c'est les êtres humains, ça dépend ce qu'on en fait, comme d'habitude. Alors, ici, vous avez, certains de vous, il y a un grand amour, amour véritable, amour sincère, en dessous, j'ai l'harmonie, et il y a l'union. Alors, l'union, c'est soit vous venez de rencontrer cette personne, mais célibataire, ou vous allez rencontrer une personne, et on ne va plus être seul, et donc on vous parle d'amour sincère. Et pour d'autres, en fait, comme vous vous aimez très, très fort, ça parle beaucoup d'amour, hein, comme vous vous aimez très, très fort, bah, écoutez, là, vous avez envie d'aller plus loin hein, dans la relation, c'est de s'unir. C'est les fiançailles, les pacs, les mariages, vie commune, bébé, tout ça, d'accord? Acheter un bien ensemble, hein, ça peut être ça. Après, pour d'autres, en fait, ici, il y a, alors, vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure parce que vous êtes plusieurs, vous ne vivez pas la même chose, c'est une générale. Et si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous avec moi et vous pouvez aller sur mon site. Hein. Mon site, justement, ça a évolué puisque maintenant, vous pouvez en ligne payer, régler, mais avant tout, prendre rendez-vous et régler. Voilà. Alors, ici, j'avais quelqu'un. Bon, il y a la rencontre, mais célibataire, c'est clair. Mais il y a quelqu'un qui revient avec une personne. Mais on s'illusionne, là. Il y a un truc, là, comme ça, dans le genre. Ou alors, vous voulez revenir avec cette personne qui vous a quitté. Ça, c'est possible, mais cette personne, elle ne veut pas revenir avec vous. Elle ne veut rien de plus, vous voyez. Ça a été des mensonges jusqu'à là, c'est horrible. Hein. Mais bon, vous n'avez rien à faire avec une personne comme ça. Je vous dis honnêtement, vaut mieux passer à autre chose, hein. D'accord. Et mes couples, là, on sent bien le mariage, vraiment l'union, l'engagement, vous voyez. Bon, ben, c'est bien tout ça. Et ici, il faut vous libérer, hein. Faut vous faire aider, ça ne va pas ici, hein, du tout. Hein. Ça ne va pas, cette personne, elle n'est pas sincère avec vous. Elle vous a menti ou elle vous ment, elle vous dit des craques et des trucs comme ça, et du coup, l'équilibre est touché. Et... vous espérez vous remettre avec, mais en fait, vous voyez bien que l'univers vous demande débarrassez-vous-en. Hein. Cette personne, elle joue avec vous. Hein. Elle joue, elle a une emprise sur vous, vous voyez. Elle vous fait mal, cette personne. Bon, prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, mes amis. Prenez soin de vous.
Joyeux Noël, très bon réveillon à vous pour ce soir. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas d'aller sur mon site. Et si vous avez besoin de prendre rendez-vous, eh bien n'hésitez pas non plus, je suis là. Gros bisous d'amour, à bientôt.